Hello tout le monde, c'est l'Eleventis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Grey Garden et on va essayer d'avoir la bonne fin. Enfin, la vraie fin, quoi. Et pour tout vous dire, j'ai farmé, mais farmé les levels de nos quatre jeunes petites filles là. Parce que en fait, on peut pas le battre si on n'a pas. On n'a pas les trucs. Du coup, c'est reparti. On va voir le dialogue. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, je passe. Hein. Et ouais. Vu qu'en fait, ils devaient être level 30. Et en fait, leur dernier sort, il fait genre presque 200 de dégâts. Donc, c'est pas mal. Là, normalement, ça devrait se passer bien. Allez. Allez, c'est parti. On va faire un auto d'abord. Bon, j'avoue qu'il nous a fait un peu mal. Mais là, on va faire notre truc magique. Le dernier. Elle va faire son Frozen Yogurt. Elle va faire son Clone Lunch. Et Ramberry va faire son Stromberry Bloom. Bon. Mais je voulais pas faire ça! Putain, mais à chaque fois que je me gourre, ça m'énerve! Putain, on a réussi les gens! Donc là, on va avoir encore un petit peu de gameplay pendant moins 20 minutes, une demi-heure, et on va avoir la vraie fin, normalement. Oh, ces gosses! Eh bien. Tout ça est de ta faute. Ça pas deg. Je voulais juste mettre un truc juste ici. Comme ça, voilà. Je vais te tuer. Vieil homme, cours! Meurs! Ah! Nous les avons trouvés. Ils ont été trouvés. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est forcément eux parce que. Oh! Ah! On était sûr que c'était ici que vous étiez, et du coup nous sommes venus. Mais nous sommes un peu perdus, désolé, Lord Calb. Nous sommes désolés, vous deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, tu devras courir. You won't be doing as you please. Oh oui, prépare-toi. Genre, on va les ils vont les tuer. Tellement bien, quoi. Désolée de te faire attendre, Lord Ivlis. Yo yo yo. Tu es en retard. Oh. Oh mon Dieu. Encore après que nous t'avons tué, quoi. Cockroach. Je crois que c'est genre un bâtard, quoi. Enfin. Vous êtes des cafards. Vous êtes des cafards. Eh, démon. Mais
quand nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Et c'est inquiétant. En effet, ça l'est. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas bon. On a laissé de la viande et voilà. Parce qu'on les a tués, du coup, c'était devenu de la viande. Ouais, ils sont là! Tout le monde. Diallo, Chelan? Ça va? Tout va bien? Hey! Ah, merci mon Dieu, ça va? Mais pourquoi êtes-vous là? Nous venons avec eux. Nous les avons rencontrés. Je ne t'avais pas dit de ne pas y aller? Est-ce que ça va? Ah, désolé, mais... Mais nous l'avons battu, le mauvais méchant. Quoi? Va mourir. Peut-être que nous devrions rester derrière. Pas question. Ils me font trop rire les deux. Est-ce que ça va tout le monde? Ça fait mal. Pareil ici, Poemi. Mais exactement, Emma, elle fait une Poemi. Mais je suis là. Poemi peut faire de son mieux. Et il faut prendre le dieu pour l'arrêter. You wrong? Vous avez sonné? Désolée de vous avoir fait attendre. Ezio! Ezio! Waouh! Ah, alors tu es sorti en sécurité. Ah! Le timing divin, Ezio. Oh mon Ezio! Donc tu vas bien. Ah! Oh. Alors, Eved. Je crois que t'es dans la merde, oui, mais je sais pas si ça veut dire ça. Ouais, bref, nous sommes foutus, on va dire. Ah. On devrait peut-être commencer à courir. Oh mon. Désolé, Kalb. Ça va? Ouais. Je pensais le monde qui était on the brink. Merde. Ah oui. Le monde qui était au bord de la destruction. Donc nous l'avons rencontré une deuxième fois. Eh bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi. Veux-tu essayer? C'est un grand prix de payer pour ce que tu as fait à notre monde, au monde. Ne pense pas que tu vas mourir vite. De souffrir. Lord Ivlis, il n'y a pas moyen. Ils sont tombés ou let's retreat. Faut battre en retraite, faut arrêter quoi. Bye bye. Tu cours? Cours. Oh. Ha. Lol. Va se foutre de sa gueule. Parce qu'il court. Il a peur. Et attends. Ne t'avise pas de blesser Club. Calb. Ah, Lord Calb est tombé. Calb. Laissez-le à moi.
Ah, c'est lourd. Vieil homme lourd. Ah, c'est difficile. Mais ça va maintenant. Tu n'as pas besoin de sauver quelqu'un comme moi, quoi. Vieil homme, est-ce que ça va? Ouais. Mais trop mignon. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Mon passé. Tout était vrai. C'est exactement ce que je suis. Qu'est-ce que t'en penses, Yosafire? Vieil homme. Squeeze, je sais plus ce que ça veut dire squeeze. Compression. Ouais, en gros, elle le prend dans ses bras, quoi. Ah. C'est mignon. Ce que cela... Qu'est-ce que c'est tout d'un coup? Hey! I don't really mind. Ça ne me dérange pas. Vieil homme, ça ne me dérange pas. Tu es un bon vieil homme. C'est mignon. Idiote, tu ne veux pas faire ça si facilement, quoi. Juste... Je ne fais pas ça comme ça. C'est ce que je pense profondément. C'est ce que... Ouais. Ça va. Peut-être il y a longtemps, tu étais un mauvais garçon. Mais maintenant, tu es très gentil. Et tu n'es pas le mal. Tu as tes raisons, pas vrai? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé par moi-même. Mais tu vois, je t'aime comme tu es, vieil homme. Et il y a juste ton extrême insociabilité. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que Google va m'aider. Does apply in the ointment. Mais en fait, ils font des trucs tellement. Même si c'est votre extrême insociabilité est très chiante, on va dire. Enfin, est un petit peu. En fait, normalement, c'est sort comme une mouche dans la soupe. En fait, c'est. Même si votre extrême insociabilité sort la mouche dans la soupe. Le commentaire. En fait, ils disent beaucoup de. Un commentaire de trop folle.
Ouais, voilà, c'est des expressions anglaises en fait, tu peux pas forcément comprendre. Merci. C'est mignon. Le Sapphire. Mes sens se fanent. Et j'ai pris beaucoup de damage. Enfin de dégâts. Ah, vieil homme. Est-ce que ça va, vous deux? Etio, vieil homme. Calme. Oh, Divlys, cheer up. S'il vous plaît, courage, ça va. Pauvre Lord Divlys. Je disais que nous devrions juste laisser tomber, mais il va te tuer si tu parles, si tu dis ça. Eh bien, je ne sais pas. Qui es-tu? Un démon qui passe. Ah. Ah, donc nous nous rencontrons encore. Toi. Tu connais les autres? Non, pas exactement. Elle m'a attaqué. Ah. C'est angoissant de d'autoriser des gens comme vous de faire comme des choses comme ça. Juste, qu'est-ce que t'es? Je ne voudrais pas mettre le passé que tu as détruit en différents mondes, en multiples mondes. Mais comme il t'a pris ton pouvoir, je pense que ça ira. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu ne sais pas? Eh bien. Attendez, il y a un nouveau truc là qui se passe. Je vais devoir. Je vais avoir à promulguer la peine. Je ne te laisserai pas mettre un doigt sur Lord Ivlis. Sors de mon chemin. Ah, ça doit être un genre de genre protection et tout. What, Rieta? Reste un prisonnier dans ce truc pendant dans toute ta vie, ok? Merci, au revoir, bye bye. Eh bien, eh bien. Tu sais. J'aime les. Attends. Elle est bien. J'aime intimider les personnes comme toi. Reste en arrière. Oh oh oh. J'ai juste envie de vous dire, ça se finit bien en fait, non? Par rapport à Mogeko Castle. Quelque temps plus tard. Quelque temps plus tard, ouais.
Bonne. Bonne. Ouais. Bref, elle a bien dormi, quoi. Tout le monde est revenu à ses occupations, quoi. On dirait que tout ça a été comme un rêve. Est-ce que... Non, ça ne pourrait pas être... Tout ça était un cauchemar. C'était mon cauchemar. Non, totalement réel. Mais... L'école a été fermée pendant un moment. Je vais sortir dehors. Je vais aller voir dehors. Bonjour. 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 On a l'impression que c'était comme un rêve, hein. Tu veux dire ce qui s'est passé l'autre jour? Ouais. Avec ces gars enflammés et démons, là. C'est vrai. On dirait que c'était pas très réel pour moi aussi. Et le village est entièrement revenu à la normale. Bon. Et Tio est en sécurité et on dirait qu'elle a tout... elle a réparé le village, quoi. Tellement d'événements, j'étais inquiète à propos de tout ça, quoi. Est-ce que Kalb va bien? Ses injures... Enfin, ses blessures ont été très mauvaises. Ezio devrait être en train de le soigner. Il a dit qu'il devrait être soigné par lui-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce vieil homme pense? Il n'y a rien que d'être borné à propos de ça. Enfin, il est borné. Il y a beaucoup de raisons. Sun Raisin. Je n'ai pas dit ça. Peut-être que je devrais aller vérifier. Je suis inquiète. Je veux juste... Alors les gens, on va terminer cet épisode-là. Donc cet avant-dernier épisode. Donc je l'ai coupé en deux vu qu'il prenait 45 minutes. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. La prochaine fois, ce sera vraiment la fin et on aura normalement la true end. Donc voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!